différents, des histoires de dialogue. C'est... Je te dis, j'ai dit, ça c'est mon 9e tour. J'étais déposé les gens du village pour le dialogue national. Oui, oui. Mourien, son ensemble participe. Tout le monde veut participer. Le président a dit que exclusivement, en fait, il a mis l'accent sur les gens de nos autres. En fait, sud-ouest, nord-ouest. Nord-ouest, sud-ouest. Mais tout le monde est dedans. Mais on a tous les villages veulent participer au dialogue. La voiture de guerre que tu m'as envoyée là, je transpire comme un chien. Je te dis, tu appelles d'où? Damas? Dis, y'a encore la calme, mais tiens, Yaoundé, tu ne me dis pas. Damas, c'est à Yaoundé. C'est pas là-bas. C'est la capitale de quoi? Hein? Ah, est-ce que je savais? Hein? Franchement. Ah, ok, tu es à Damas. D'accord. Ah, moi, je suis là. Hein. Voilà. Mon oncle. Bon, actuellement, là, à part l'histoire du dialogue, ce qui chauffe ici, là, c'est la nomination de l'entraîneur national de l'équipe Fagnon. Pas nommé. Consistoire. C'est là. Ils ont fait une concession. Ils ont nommé Conceição. Oui, oui. Un Portugais, je te dis. Portugal, Bourbani, Gal, avec la Gal. Son nom, c'est Conceição. J'espère qu'il ne va pas concéder les défaites à Mourinho. Alors que quand on a lancé l'appel à la candidature, Bourbani, n'a pas terre, un bon. Oui. Tout le monde a vu bon m'adhérer cette histoire jusqu'à ce qu'on disait qu'en fin de fin, on va finalement choisir un entraîneur qui est fin. Mais où ils ont eu fin, oh, ils ont encore pris un blanc, un sorcier blanc comme ils les appellent. Est-ce que Bakana va y être sorcier? Est-ce que les blancs sont sorciers? En plus, Conceição, on dit même que c'est la première fois qu'il dirige une équipe nationale. Allez, c'est nous, c'est toujours sur notre équipe qu'on envoie les stagiaires. Donc c'est sur nous que quelqu'un doit commencer. Hein? Si au moins on met... Mon problème est où? Mon problème... Mais je suis Camerounais, non, ils veulent ça impôts. Je paye les impôts, ça me courrousse. Je te dis, à un moment donné, quand même, Papa Omambi, la dernière fois, il était adjoint. On a encore appelé le père pour adjoint. Où lui n'a pas augmenté de grade. Ah, j'ai seulement dit que Papa Omambi, le père là n'est pas payé même un peu. Quand même, mieux vaut un tien que tu auras. Prends d'abord en attendant. Ouais, Jean Songo. Comme lui, son nom, c'est Songo. On a dit qu'il est entraîneur des gardiens. Tu sais qu'il y a plusieurs gardiens. Il y a Kameni qui est aussi là, qui ne veut pas partir. Et il y a Onana qui se bouscule, qui l'avait au doigt. Donc, comme son nom, c'est Songo. Ambassade Songo, ça veut dire qu'il sépare. Donc, il va séparer souvent les bagarres entre les trois gardiens là. Tu sais que chacun veut être titulaire. Ah ben, Songo, bon. Il va passer le temps à les séparer. J'ai dit que c'est bien. Lui, il vient même là où il faut. Je te dis. C'est pas fini, je te jure. Bon, donc, moi, je te dis. Le Cameroun a... L'autre jour, alors, me calme, ouais, diable. Dignan, je ne te dis pas ça. Je ne te dis pas ça. Et il y a inondation à Yaoundé après une pluie dévastatrice à Mounounou. Ah, laisse-moi tricher l'expression de Goguenard là. C'est-à-dire que, ah ouais, il a pili. Il a pili jusqu'à... Je ne peux pas appeler ça tsunami parce qu'il n'y avait pas de vent. Mais il y a eu de l'inondation à moins un. Ah ouais, à moins un. Tous les milliers de Yaoundé là, la poste, toute la poste devait être dans l'eau. Les gens nageaient, il y avait la birasse en plein centre-ville. Les gens, il y avait les nages dorsales, caudales, ventrales. Les voitures alors se noyaient, je te dis. Oh, jusqu'à les gens ont filmé, ils ont envoyé dans les réseaux sociaux, ça a déferlé la chironique. À un moment donné, d'autres gens ont dit que, mais pourquoi est-ce que vous vendez mal le Cameroun? Les gens ont répondu encore, tu sais, le Camerounais est fort pour défendre ce qu'il a vendu. Hein. Ils ont dit que non, si Paris a eu les inondations, pourquoi pas Yaoundé? Qu'il ne faut pas avoir honte d'imiter l'exemple de l'eau. Voilà, je te dis, amour, nous. Action.
Mais attends, toi tu crois que le pays est simple comme ça? Les hommes en noir, les habits noirs là, ils ont guérévé. Ceux qui parlent souvent des histoires des gens, même quand ils ne sont pas là. Les menteurs là, non? Les avocats, voilà. Ils ont guérévé. Depuis l'autre jour, ils ont grévé que non, personne ne va plus au tribunal plaider, rien. Mais tu sais toujours qu'il y a toujours les jidas. Et il y a une femme là, elle s'est présentée. Là où c'est à Bafoussam, où c'est où là, où je t'ai dit, à deux reprises. On a dit que ouais, à la ouella. Donc on espère que d'ici là, ça sera désamorcé, voilà. Oui, tu sais, Lingom, toi-même, ce n'est pas la première fois qu'il grève. Chaque fois, il y a toujours les mots d'ordre de grève. Après, et on ne comprend plus rien. Après, il y a des grévages. Attends, mon oncle, attends. Tu sais que tu es mon oncle, le papa de la nation, le voyageur. L'homme de la nation, le papa, tu sais que tu as toujours tout fait pour ce pays. Il est temps maintenant que tu fasses quelque chose jusqu'à tout le pays voit et qu'au journal de 17h, on appelle aussi ton nom pour une nomination. Voilà. Donc, par rapport au dialogue national, tout le monde sera là. Il y aura les anglophones, les francophones, les nyakere, les diakwere, les mamikwere, les bassa, les bamleke, les bétis. Tout le monde sera là. Sans oublier mes amis, Bamoun. Voilà. Le Nord, tout le monde est représenté, les quatre points cardinaux du pays. Voilà, donc pour qu'il y ait l'entente d'abord au niveau de l'expression linguistique. Et des casques traducteurs. Envoie-nous les casques traducteurs. Ah ouais, si n'importe quoi, parle n'importe quoi. Tout le monde comprend son n'importe quoi là. Oui, envoie-nous même 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 conteneurs de casques. Parce que... Allô? T'es antipatriote. Il a rapproché. Grand. Oh. On va au dialogue. On va au dialogue national. On va au dialogue. Moi, les arbres de paix. Oui, vraiment. Allons. Prends les blés, mais il me déçoit souvent. C'est un genre de dialogue. Oh, vraiment. À un moment donné, on ne comprend plus rien. C'est bon. Il faut qu'on sache que nous.